Yes, salut guys, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, je vous présente deux gros épisodes massifs, deux gros édits d'Downhill à Bromont. C'est des images qui ont été tournées cet été avec une gang de chums. On est allé road tripper à Bromont. C'est la première fois que j'essayais la montagne. C'était vraiment cool, on a trippé. Avant de commencer la vidéo, je veux juste vous mettre au courant. J'ai cassé une botte de choc tôt dans la journée. J'ai entendu un gros toc. J'ai fouillé sur le bac. J'ai jamais trouvé c'était quoi le problème. Fait que, en gros, j'ai roulé toute la journée avec une botte de choc cassée. Donc, mon choc tenait juste en bas avec une botte cassée. Fait qu'il se promenait dans le cadre, puis la botte était sur le point de sortir. J'ai eu de la misère toute la journée. Le bike était mou, le bike était pas stable. J'étais pas à l'aise de sauter. J'ai jamais trouvé le problème. On a genre trouvé le problème à comme 4 h 30 en prenant une bière au char à la fin de la journée. Fait que c'est pas mon meilleur riding, je vous avertis. Mais c'est quand même des images le fun. J'espère que vous allez être divertis. Fait que premier épisode aujourd'hui, ça dure une bonne demi-heure. Puis la suite va sortir la semaine prochaine, un autre gros 25 minutes. Ça fait que. Salut maman! Et j'espère que vous allez apprécier. Et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, ta gueule! Yes, salut guys, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on roule Bromont pour la première fois. Ça, on fait ça de même. Ouh! C'est un peu, man. Oh, stapper, Alex! Non, t'es pas allé chercher sa carte. Fallait que tu l'échanges pour une carte. Ah, oh, on a pas de suivi, moi. OK. On va aller faire une boulette, Bon. Voyons voir ce qu'on s'en va faire. Bien. Oh my god, on fait de la chaise. C'est le fun, ça. Alors, on est avec Alex, Mathieu et Will. On est à Bromont pour la première fois. Oh my god, j'ai aucune idée de ce qui s'en vient. OK. Cool. Nous autres avec les hopes. Ouais. Tout le long. Matt, il est où? Cui, cui, cui! Les trois boys, hein? Quick, quick, quick! Ah, t'es malade, man, j'entends rien que ça. Bon. Ça, ok, il y a une ligne 7, ça c'est cool. Fait que ça c'est la 7. Ah, that's fun. Ok. Ah. Okay. Ah oui, 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 je suis d'accord. Gros gaz, hein? Ah ouais. Oh, ouais. Cool avec l'aftershock que ça se peut que ma roue explose à tout moment. Ouais. Fait que je suis un peu moins. J'ai hâte de te voir à terre en position. Fétal. Ah ouais, c'est plus ça.
OK. On est reparti dans les pistes qu'on ne connaît pas. Alors, s'il vous plaît, un peu de respect si je vais pas assez vite dans vos pistes. Alors, avec la fameuse 7, qui est une foutue belle piste flowy, avec des bons sauts qu'on peut se faire peur. Genre de piste que j'adorerais connaître. Pour aller fucking vite dedans. Oh, il y avait une belle ligne dans le bois. Hein, le gap! Mon ex. Je ralentis le groupe là. Ah, OK. Ça drop, non. Ça gauche. Nice. J'ai pas pris de bonheur. Mais je suis trop de JB dans la roue. Puis... Toujours des acteurs. Bon, let's go, les boys. Ça, et ça, je le connais pas. On manque un peu. Ah. Nice. On est tous là? Oui. Ah, je suis pas mes lignes, non, on fait pas ça. Tellement de mauvaises idées. Ah. Hey, là, je sais pas, on est dans quelle piste, excusez. Ah. La 5, on fait la 5, je pense. Les autres. Ah.
Ben! Top! J'avais hâte qu'elle finisse la roche! Donc là, on est dans la track du Wildside Enduro qui se passe demain avec notre guide Alex en avant qui est un habitué de Beaumont. Okay. Ouais, single track, c'est plus ta tasse de thé. T'es jumpé avec un bike que tu connais pas, c'est la pire affaire. Les bus. Hop. Ça. Je vous avertis, ça se peut que je sois silencieux aujourd'hui. J'en vais me concentrer pour bien faire les trails que j'ai jamais faites. C'est comme dur de vous parler d'une piste que j'ai jamais faite aussi. Là, là, qu'est-ce que je vois dans les trois qu'on a faites? C'est super le fun, très flowy, très rapide. La 7 en particulier, la jump line, oh wow! On va y avoir du fun là-dedans. Chunk. Ça. Oh, ça j'ai manqué la ligne, excusez. Ça, j'avais vu une vidéo de mon collègue Jean-Seb Lachèvre. Ça semble être une piste vraiment tripante. Et puis elle avait l'air facile sur vidéo. Elle a plus de dénivelé, disons, que qu'est-ce que je croyais. Ça. So fun. Ça. Mais pas facile à suivre. Oh, j'ai Mathieu en arrière qui arrive vite. Ouh. Ah non, j'ai imaginé ça, il est loin en arrière. Ah. Ouais. Ouais, le tracé est dur à suivre. T'sais, un petit, un plus long. Un qui pensait que ça allait virer, mais ça demande beaucoup de concentration. Ça.
Hop! Ça, c'est le fun. Non? Oh, non! Oh! Non! Une bière au char, ça ferait bien. Je tenais pas à la piste, je veux comme pas trop faire les petits hits. Ça va. Ah, je me rappelle cette section-là sur vidéo. Merci Jean-Seb. So cool. Wow. Oh, il y avait une ligne de course à droite. Deux autres. Drop le palais pas. Hop. That was nice. Oui. J'en ai un peu dans le char. Double black. What's that? Double black. Yeah, boy. Cool. En plus de mon élément. Ah, c'est une joke là. J'ai-tu manqué la section double noir? Non, mais c'est parce qu'à part d'en haut, c'est. Ok. Vendu. Là qu'on va. Hé, des roches! Ça a de l'air, là. Je sais pas, le frame est mou un peu. Ouais. Ça, je suis fucking mou. Ah, ça, ça va peut-être dévisser par exemple. Ok, excusez. Je pense que le cas, il avait dévissé. Hein. C'est pas bon, ça. Le royaume de la tique. C'est pas une ligne, ça. Rien. Je suis désolé.
Yes. Belle petite section, hein? Oui. Je fais le plan, j'ai passé à droite, moi, tout. Hein? Ouais, c'est genre, c'est la troisième fois que je la fais. Je fais encore d'aller, là. Ça, c'est la... Boileau. La Boileau. Ça, c'est très nice. Oh! Ah, j'ai eu une coupe d'affaires sketch, là. Je vois que ça bavait un peu, mais ça tient. J'entends du torque. Pas pire, je trouve que ça fait quand même 12 km bonus pour trouver. North Shore! à droite! Excusez. Ouais, ça! Qui est rapide même en 27. Ok, ça me dit quoi? Wow! À la fin, il y a le fun. Quand t'es en ligne, juste avant la 7, justement. Ouais, toute la rhythm section dans le go était cœur. Ouais, quand t'as... Pendant qu'on mange, je vais vous montrer le bike le plus cool de l'année. Forbidden Dreadnought. Avec push 11.6 à l'arrière. Zeb en avant, 170. Hope V4. Et Hub Hope. 5.7 Hope. Pédale Atlas. On a du SRAM GX en arrière pour la cassette. Et dérailleur, excusez. Reverb pour le dropper. On a une selle DT. Même le porte-gourde de Supacase à sortie. Les roues, We Are One. DHF en avant. DHR 2 en arrière. Cockpit. Hope pour la potence. DT pour les guidons. Le gros, et des grippes OIR, I guess. Pardon? Le gros, le petit, le gros, même. Il est ici tout dans la potence aussi. Oh. So fucking cool. On va se donner la chance de se réchauffer après le lunch. Ok? Fa-frown.
Mon dérailleur. Ah oh, ouais. C'est JP qui a shifté là. J'ai peut-être shifté rough un peu. Hein. Braking pump. Hop. Oh, blessé ou mourir, c'est ça. Bien. Mordor. Ça commence bien. Ligne de marre d'une ou deux autres. Hello, Will! Mordor. That's cool. Cool. That was fun. Pardon. Ah ouais, hein? Think. C'est en ligne ici. Non, c'est ça, faut pas t'achouer trop. Fais juste lever un peu la roue d'en avant dans les petites roches. Ok. Easy. Good. Bon, oui. Tu times ta roue d'en avant à bonne place. Vroup, vroup. Oui. Ben, c'est comme toutes les slabs. Ils sont pires à pied que quand t'es sur le bike. C'est souvent ça. Alright. On a quoi en avant de toi? On a pas mal ce que t'avais en haut, là. Okay. Avec un autre rock slab, là, cassé à droite, là. Et de la mort puis de la désolation, c'est bon, ça. Oh!
Oh wow! C'était tellement clean que m'a fait ça! Cloc, cloc 90 puis il est allé. La mort et la désolation. Ouais. T'as sorti 90, t'as swingé le bike? Toc, toc, wouh! Ok, ça allait quand même. La slab, y'a rien là, c'est vraiment le move d'avant. Oh wow! Oh, les roches méchantes! Tellement clean! Wow! Pouk! Ben non, mais toi, ton move, ton approche, stop! Oh, wow. Ah, ben le savoir, ça se fait bien, la slab, y'a rien là. C'est l'approche qui est genre. C'est juste, c'est comment t'approches ton 90 qui va faire que tu vas acheter. Non, c'est ça. Ah. Flip, flip, flip. Ugh.